Oh non, ce pauvre gars qui va complètement foirer son approche avec sa crush. Il lui envoie un message, il fait « Salut Lucette, tu vas bien ?» Oula. Très beau prénom. Elle fait « Je m'appelle Lucie, ok ?» Oh non. Si tu veux être en couple avec moi un jour, commence par bien dire mon prénom, ok ? Oh le gars, il s'est foiré. Il fait « Lucie, désolé, c'est mon correcteur. En fait, comme ma grand-mère s'appelle Lucette, mon téléphone a déconné et j'ai pas vérifié. » Oh non, tu peux pas lui dire ça, tu t'enfonces frérot. Cool quoi. Elle fait « Quoi, tu m'appelles comme ta mamie ? Encore pire, me parle plus jamais !» Mais elle est énervée. Pour rien, hein, tranquille, ça peut arriver. Il fait « J'ai pas fait exprès, je t'ai dit désolé. Elle fait trop tard. Nous deux, c'est mort, ok ?» Oh mon pauvre. Ce fail qui va te coûter peut-être une relation amoureuse avec cette fille. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD. J'espère que vous pétez la forme, les gens. Pour ma part, je vais super bien. Je suis vraiment en très grande forme. Eh, désolé, je suis mort de rire depuis tout à l'heure. Ces épisodes, c'est vraiment des pépites. Les pires SMS fails de correction automatique. On a déjà vu avec le premier message que ça va être bien pimenté aujourd'hui. Vous allez vous mettre dans la merde, dans la sauce pas possible, avec vos parents, vos grands-parents, vos petites copines, vos professeurs. Ça part trop loin. En tout cas, mon pote, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez désactivé votre correcteur automatique, oui ou non? Après tous les épisodes qu'on a fait, il y en a, vous retenez toujours pas la leçon. Faut arrêter vos bêtises les frérots. En tout cas, dites-moi ça, et si vous êtes prêts, c'est parti. Oh non, mais là, c'est la pire erreur inimaginable. Ce gars-là, il essaye petit à petit de se rapprocher d'une fille qu'il aime bien. Il lui envoie un texto, il fait « Coucou Maëva, tu veux qu'on aille jouer avec tes seins cet après-midi ?» Pardon ? Excuse-moi frérot. Qu'est-ce que tu veux faire là ? Elle lui répond tout de suite « Eh, je t'arrête hein, t'es pas mon style de mec, je t'ai déjà dit t'es juste un pote merde. » Puis tu crois que c'est respectueux de dire ça franchement ? Va jouer avec ta bite toi et fais pas chier. Ouais, elle t'a remballé énervé. Alors lui il fait « Mais wesh meuf attends, Maëva, Maëva !» Elle fait « Quoi ? Laisse-moi, je t'ai dit putain !» Il fait « Je voulais marquer jouer avec tes sœurs, pas jouer avec tes seins. » Ah non mais là mon gars t'abuses. Il fait « Attends, je me suis pas relu, c'est mon correcteur automatique. Je suis vraiment désolé, je te promets. » Alors est-ce qu'elle va lui pardonner et comprendre que c'est un fail ? Elle fait « Ouais, c'est ça mes fesses. » Elle le croit pas. Il fait « Non mais putain !» Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends, tu l'insultes ? Elle fait « Et tu m'insultes de prostituée en plus ? » Eh bah bravo, tu veux vraiment qu'on soit plus potes tous les deux. Mais là, mec, t'es en train de faire n'importe quoi. Il fait « Oh là là, je vais mourir. C'est la catastrophe. Je voulais dire putain, pas pute. » Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Hein. Il fait deux fails de correcteur dans le même message. « Et meuf, laisse tomber, je suis fatigué. Je fais que des erreurs, là, c'est horrible. Je suis vraiment trop gêné. » Mon gars, là, t'es en train de niquer toutes tes chances. Elle fait « Ouais, bah va te reposer, laisse-moi tranquille, car j'aime pas qu'on se fout de ma gueule. » Là, elle croit vraiment que tu te moques d'elle, que tu l'as insultée dans un premier temps de prostituée et que tu veux jouer avec ses seins, frérot. Là, tu te mets mal. Ah non, mais celui-ci m'a terminé, je vous jure, j'en peux plus. Il y a ce gars-là, il envoie à son pote « Salut mec, je suis au supermarché. Pour ce soir, on prend quoi comme alcool fort ? De la vodka, du whisky ou du Ricard ? Ça va se mettre bien petite soirée. Bon, qu'est-ce qui coûte pas cher, qui a une bonne gueule, qui fait pas trop crevard ? Et tu te mets vite, tu le ramasses. Son ami lui répond « Yo, bah écoute, moi j'aime bien le Ricard, perso. C'est pas cher et tu peux le mélanger avec de l'eau. Ça passe super bien. » Alors son pote, il fait « Ouais, mais justement, dans le Ricard, il y a de l'anus. Je suis pas hyper fan. » Quoi ? Il y a de l'anus dans le Ricard ? Je comprends pas, là. Tu voulais pas dire de l'anis, plutôt ? Oh là là. Son pote, il fait « Bizarre, bah pourtant, t'aimes bien bouffer des culs et des anus, toi. » Oh, il se fout de ta gueule, c'est bon. Relis-toi, t'as fait un gros fail. Je chiale de rire. Alors le mec qui a fait cette erreur, il fait « Il y a de l'anis dans le Ricard. Pas de l'anus, merde. Oh là là. Oh non, tu vas te foutre de ma gueule pendant des semaines, maintenant. » Compte sur moi, frère. L'autre, il fait « Bah surtout que t'es gay. Donc dire que t'aimes pas les anus, bah c'est assez contradictoire, quoi. Oh putain. C'est vrai qu'en plus, si t'es gay, dire que t'aimes pas les trous de balles, bon bah voilà. Hein. Après, ça te regarde, hein, t'as vu. Mais je retiens, il y a de l'anus dans le Ricard et pas de l'anus. Bon, son pote, il envoie encore une petite couche, tu vois. Alors l'autre, il fait « C'est vrai que je préfère l'anus au Ricard, hein, je te cache pas. » Oh putain, mais les mecs, vous êtes sérieux. Bon, j'ai pris une vodka finalement, j'aurais dû fermer ma gueule, tu vas me faire chier toute la soirée. Après, si tu veux avoir un Ricard qui a un peu le goût de l'anus, bah tu peux toujours le le tremper dans ton trou de balle, hein. Ça nous regarde pas frérot. Eh hey, mais le pire c'est quand il y a des énormes fails qui t'arrivent avec tes parents. T'es extrêmement gêné et tu sais plus trop où te placer. T'as justement ce garçon, il dit à son père « Papa, est-ce que je peux avoir une nouvelle nénette pour mon anniversaire s'il te plaît ? Car la mienne est cassée. » Attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Tu veux une nénette pour Noël ? Bon, ça veut dire le vagin d'une fille, hein, clairement. On passe au chapitre suivant. Pour être un peu plus poli, hein, quand on parle à des enfants, la petite nénette, voilà. Alors le papa va se foutre de sa gueule. Il fait « Attends, la nénette de ta copine ne fonctionne plus, fiston. » Oh le fou.
Ah ouais, ils sont très à l'aise. Alors le fils, tout de suite, il fait une manette, papa, pas une nénette. Oh non, mais sérieux, t'inquiète, tout se passe bien avec ma meuf de ce côté-là, MDR. C'est la putain de correction automatique de mon portable. Tu veux une manette pour Noël et pas une nénette. Bon, c'est rassurant déjà. Je me sens déjà mieux. Et le père, il fait bon, si c'est seulement la manette qu'il faut racheter, tout va bien alors. Car malheureusement, ton père, il peut pas trouver une nouvelle nénette comme ça, hein. Il faut que tu ailles parler à des filles, mon garçon. Bon, désolé, je me moque, mais tu m'as bien fait rire. En même temps, j'aurais tapé une barre aussi. Le gamin, il fait, allez, fous-toi de ma gueule, papa. Il va t'afficher pendant un bon bout de temps, ton père. Eh, mais là, ça me termine. Ce mec, il a perdu toute crédibilité. Il veut menacer, embrouiller un de ses camarades de classe. Il lui envoie un message, gros, demain, t'es mort. Je vais te caresser comme jamais. Quoi? Particulier. T'as voulu faire le malin, tu vas voir, je vais te branler. Frérot, qu'est-ce qui se passe là? Si t'as envie d'avoir des rapports, dis-lui directement, tu vois. Alors l'autre, il se tape une barre en lisant le message, il fait MDR, dis donc, quelle menace. Du coup, c'est quoi? Je t'attends dans les toilettes à la fin des cours pour ma petite gâterie. Il se fout de sa gueule. Mais désolé, hein, je suis attiré par les filles, donc je refuse ta proposition MDR. Alors l'autre, il va se relire, il va encore plus vriller, tu m'étonnes. Il fait putain de correcteur de sa grand-mère là. Tu m'as compris, fils de pute. Je vais te casser comme jamais et pas te caresser. Et je vais aussi te briser, pas te branler, sale merde, va. Oui, mais là, le message est pas passé comme ça, hein. Tu t'es foiré, mon frérot. Alors, le tiffé, bah, trop tard, j'ai envoyé ton premier message à toute la classe. Maintenant, les gens pensent que t'es gay, MDR. Tu l'as affiché. Allez, je t'attends dans les toilettes. Viens me faire plusieurs, mon petit. Je suis tout à toi, MDR. Ah, comment tu me provoques, t'as ouf. Clochard, va, quand tu fais des menaces, relis-toi au moins. Maintenant, ferme ta gueule avec tes coups de pression et va trouver des potes. Ouais, tu l'as défoncé, hein. Chaos technique. L'autre il fait ok, tu fais le mec, attends voir à 17h30 à la sortie des cours. Je crois que ça va quand même se castagne la gueule. Mais j'avoue que quand tu veux menacer un gars et l'intimider, bah au moins relis-toi. Parce que là c'est chaud. Oh non, le malaise quand tu fais un fail de correction automatique avec tes grands-parents. Il y a cette grand-mère, elle dit bonjour mon grand, c'est ta mamie. Tu viens toujours manger à la maison ce soir, bisous. Le gamin il répond salut mamie, oui je viens vers 19h, fais chauffer ton fion. Quoi? Mamie, fais chauffer ton cul là, ça a envoyé des loups. Oh putain. Le mec se relie, fait. Non, fais chauffer ton four. Ton four, pas ton fion. Merde, correcteur du téléphone, désolé mamie. Mec, c'est horrible. Comment tu peux faire cette erreur? Alors la grand-mère, elle tape une barre, elle fait, tu sais, ton papy nous a quittés il y a quelques années. Mais côté sexuel, tout va bien pour moi, mon grand. Ne t'en fais pas. Alors lui, il est gêné, il fait, mais non, mais mamie, ça me regarde pas ça. J'ai voulu écrire four et j'ai tapé en fait le I au lieu du O, juste après le F. Et ça a changé tout mon mot. C'est vraiment atroce. Elle se moque encore un peu de lui. Elle fait, tu vois mon grand, ta mamie utilise mieux son portable que toi. Allez, bisous. Elle se fout de ta gueule. Et en même temps, dire à ta mamie, prépare ton fion, comme si t'allais la tambouriner. Ah! Ça passe moyen quand même, hein. Cette fille aussi, elle va faire une énorme gaffe. Elle envoie un message à son pote. Elle fait, salut Dorian, on jouit ensemble ce midi? Je me connecte vers 17h. Comment ça, tu veux jouir, te faire du bien et plaisir avec ce gars? Bien sûr. Très bien. Elle continue, elle fait, on pourra baiser ensemble après si tu veux. Oh non, mais c'est pas possible. Comme ça, on geek et on travaille après. T'es chaud. Alors lui, il tape une énorme barre, il fait, Sarah, t'es excitée aujourd'hui ou quoi? T'as la chatte en feu, meuf. Mais bon, je refuse pas, moi. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Lui, il est chaud lapin, tiens. On part sur une grosse partie de jambes en l'air. Et il est chaud lapin, le frérot. Ça boit être ta pote, s'il faut tremper biscuit comme ça, hein, pourquoi pas. Très classe. Alors, la meuf, au début, elle comprend pas. Elle fait, mais t'es con, toi, je t'ai parlé de travailler et jouer à la console. Pourquoi tu me parles de faire l'amour? Faut te faire soigner, pauvre mec. Alors il va quand même la corriger. Il fait, mais relis tes messages d'avant au lieu de m'insulter. C'est toi la débile, tu sais pas écrire. Alors elle re-regarde ses messages, elle fait, mais non, je suis conne, jouer ensemble, pas jouir ensemble. Elle dit, mais j'avais pas vu, j'ai aussi marqué baiser au lieu de bosser. Je désactive mon correcteur, c'est bon, je suis morte de honte. Alors lui il fait, bah oui, je comprenais pas moi. Du coup, t'es sûr que tu veux pas que je vienne chez toi et qu'on s'amuse un petit peu? Lui il retente quand même. Bon, finalement ta proposition de coucher ensemble, c'est toujours valable ou... Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit dans le Périgord. Elle fait, arrête de forcer Dorian, j'ai fait une erreur, on passe à autre chose maintenant. J'ai pas envie de toi de toute façon. Oh putain, c'est dur. Allume ta console dans une heure, je finis un truc, salut. Douloureux. Il fait, bon, ok. Bon, bah très bien, hein. On va jouer, on va travailler, allez. On peut plus s'amuser maintenant, hein. Et on va terminer avec cette dernière pépite. Les fails les plus marrants, c'est quand ça arrive avec vos professeurs. Ce gars, il dit, bonjour madame, j'ai perdu mes boules dans votre classe. Vous ne les avez pas retrouvées, s'il vous plaît? Ça coûte cher. Comment ça, frérot? Il a perdu ses petites testicules dans la classe. Oh non, le pauvre. Alors la prof, elle fait, Léo, je suis pas sûr de bien comprendre ta demande. Pourrais-tu te relire, s'il te plaît?
Alors il relit son message, il fait « Oh mille excuses madame, je voulais dire mes billes, pas mes boules. » Ah oui, effectivement, c'est pas la même chose. Même si elle aussi, elle coûte très cher. Oh non, tu peux pas faire cette blague. C'est border. C'est l'heure de jouer avec le feu. Alors la prof, elle fait « Dois-je te rappeler que tu discutes avec ton enseignante et non avec tes amis Léo? Tu veux 2 heures de colle? Donc tu peux garder tes blagues malsaines, merci. Je viens de regarder, je n'ai rien retrouvé, donc demande à tes camarades. » Alors l'élève, il fait « Bon, pardon madame, hein, j'ai un peu pris la confiance, j'avoue, mais vous êtes gentil comme prof, c'est pour ça. » Oui, t'es pas obligé de dire que tes boules aussi, elles coûtent très cher, on s'en fout. Parle pas de tes testicules avec ta prof, c'est mieux comme ça. Les potos, c'est la fin de la vidéo. Des énormes dingueries ces épisodes, c'est fou rire sur fou rire. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez laissé activer votre correcteur automatique, oui ou non? Allez, marquez-moi ça. Et si tout va bien, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos, ciao tout le monde. Bye.